Bonjour les amis. Alors aujourd'hui il fait beau, c'est le printemps et je vous propose une activité pour faire un arbre du printemps. Pour ça on a besoin d'une grande feuille qu'on peut coller sur une fenêtre, sur un mur ou si papa et maman préfèrent on peut aussi tout simplement la mettre sur une table. On a besoin de deux crayons ou marqueurs bruns et de deux crayons ou marqueurs verts. Je vais mettre la musique et puis on va gribouiller notre arbre ensemble. On commence par les deux marqueurs bruns. Et on change, on prend le vert. Voilà les amis, notre arbre est fait. Alors maintenant on peut y ajouter des petites fleurs du printemps. On peut dessiner des petites fleurs dedans, on peut peindre des petites fleurs ou bien on peut faire des empreintes pour faire des petites fleurs. Je vous propose de faire des empreintes. Ici j'ai pris le dos d'une bouteille que je trempe dans la peinture. Je n'ai pas de peinture rose, mais on peut faire ça avec de la peinture rose ou vous choisissez la couleur. On trempe la bouteille dans la peinture et puis on vient mettre des petites fleurs dans notre arbre. Et voilà, on a un bel arbre du printemps. Je vous souhaite une bonne journée, les amis.